Nous allons à présent inviter maman Félicité Kivoujou pour venir pour un mot de témoignage. Puis maman Sylvie se prépare pour intervenir juste après. Merci de son venu nous accompagner dans ce moment terrible. Je m'adresse à toi, Talia, baby, comme je vais t'appeler. Juste pour te dire que je t'aime et que rien n'a changé. Tu es une star. Je sais de quoi je parle parce que au moment de ta naissance, le terme, ta mère avait dans le ventre, t'avais dans le ventre et le terme était quelque peu dépassé. Alors je me souviens que je suis venue chez vous, parler un petit peu avec ta maman qui était fort fatiguée. Et puis, je me suis adressée à toi. Et je t'ai demandé de venir. Gentiment. J'ai dit que c'était agréable de rester dans le ventre de maman, mais c'était aussi bien de venir me voir. Et que ce serait gentil de ta part de venir un jour, comme un cadeau. Ta maman est née en 5 décembre. Donc je suis passée avant. J'ai dit, sois un cadeau pour ta mère cette année-ci, nous t'attendons. Et tu es arrivée en 6 décembre. Un signe fort. Le jour de la Saint-Nicolas. C'est pour ça que je dis que tu es une star. Tu as passé 18 ans avec nous, merci beaucoup. Dans la souffrance, certes, mais entourée d'amour. Nous étions tous là à côté de toi, à prier, à te parler, à te remonter le moral. C'est comme ça que je me permets de dire aussi que tu es une jeune fille très courageuse. Courageuse parce que tu avais mal, tu l'exprimais, mais tu essayais de tenir le coup, coûte que coûte. Et tu as très bien tenu, merci à toi. Tu es une star, je le répète encore parce que au moment de ton entrée sur cette terre, tu t'es fait désirer, on t'a appelé, tu es arrivé. Au moment d'en sortir, désolée, mais maman, elle a tellement souffert, cette fille. Je me souviens encore une fois que nous étions tous autour de ton lit, à prier, à demander que le Seigneur fasse en sorte que tu sortes de cet hôpital sous tes deux pieds. C'est tout ce qu'on avait demandé. Bon. Les décisions du Seigneur sont souveraines, alors quand tu nous as lâchés, tu es parti. Dieu merci, on était là, en prière. C'est pour ça que je me dis, bon, ça me fait vivre une certaine sérénité dans la mesure où je sais que son âme est auprès du Seigneur. Amen. Elle l'avait reconnu de toute façon. Et voilà. C'est une douleur pour nous, certes, mais bon. Nous essaierons d'être forts avec la grâce de Dieu. Talia baby, je t'aime et au revoir. Talia, ma chérie, ma princesse, ma copine, comme je t'appelais. Ce jour où nous sommes venus pour te dire au revoir, je viens rendre grâce à Dieu pour la joie, l'amour, la force, le rayon de soleil que tu étais durant toutes ces années, durant ces 18 ans passés à côté de nous.
Ton départ laisse un vide énorme dans nos cœurs, mais je sais que Dieu nous donnera la force de le surmonter. Ma copine, tu as achevé ta course ici-bas. C'est que j'aimerais te dire aujourd'hui que nous ne t'oublierons jamais. Tu ne resteras jamais dans mon cœur. Repose en paix, ma petite princesse, ma copine. Nous t'aimons énormément. Nous allons à présent appeler Arnaud, le grand frère de Théo, pour un témoignage. Je t'appelle chaque matin. Oh Seigneur. J'appelle comme ça parce que pour moi, Taïa, c'est la personne la plus forte et la plus courageuse que j'ai jamais vue. Et jamais je rencontrerai une aussi courageuse de toute ma vie. Ça, j'en suis certain. Toi, Inès et moi, on est comme les trois mousquetaires. Un pour tous et tous pour un. On est une équipe et ça restera pour tous. N'oublie jamais. Ce sera vraiment très dur. Je ne peux t'entendre que rigoler. Je joue avec toi à la console. Vraiment. On y jouait jusqu'à pas d'heure. Mais je sais que tu ne nous as pas abandonnés, David. Je sais. Toi et moi, et Inès, on est inséparables. Tu ne nous as pas abandonnés. En tout cas, Inès et moi, on est sûr que tu es toujours là. Dans nos cœurs, dans nos esprits, tu es toujours là. Papa et maman, mais on pense toujours à toi. Tu restes là. Nous t'aimons tous. Et tu resteras l'élément central. N'oublie jamais. Je voulais juste aussi te dire merci. Merci pour toute la joie. Et la bonne humeur et le bonheur que tu m'as apporté à moi. Vraiment, Big Man, je vais te le dire après, mais ça va être. Au mot génial, ton papa t'a fait, tu vas me manquer. N'oublie jamais ça, je t'aime très fort. Nous allons à présent inviter le pasteur Guillaume Thibodeau, pasteur titulaire de l'Église de la Nouvelle-Jérusalem, pour annoncer la parole du Seigneur. Bonjour à tous. Est-ce que je peux vous demander de vous tenir debout et ceux qui le peuvent, si nous pouvons ensemble dire notre confession de foi. Talia est une chrétienne, on vit dans une famille chrétienne. Et donc, c'est la foi qui nous rassemble aussi dans ces lieux pour rendre grâce au Seigneur pour sa vie. Ensemble, nous disons, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection du corps et à la vie éternelle. Amen. Amen, vous pouvez vous asseoir. Bonjour à tous, chers famille, Raki, Arlette, mes frères Arnaud, Inès et toutes les tantes qui sont là, bonjour Sylvie, Patricia et toute la famille qui est là, paternelle, maternelle, des amis. Ah, c'est toujours compliqué de parler dans ce genre de circonstances. Mon ministère pastoral à la Nouvelle-Jérusalem, on a commencé assez difficilement. J'étais
en train de sillonner les cimetières. Et donc, c'était une période difficile, début des années 2020. Et nous espérions que cette période soit loin. Normalement, ce week-end, c'est un week-end pour tous les chrétiens de la Terre, un week-end de célébration de la Pâque. Et au niveau de l'Église, nous sommes dans cette célébration de la Pâque, Jésus-Christ ressuscité, mais avant tout, Jésus-Christ est mort. Jésus-Christ est mort. Ce qui est aujourd'hui la source de notre espérance, c'est d'abord les souffrances d'un homme, Dieu qui a accepté de descendre sur la terre, prendre une position inférieure, être rétrogradé, dégradé, marcher avec des personnes plus faibles, sachant qu'il était plus fort. Imaginez-vous, hein, c'est, parfois quand on marche avec certaines personnes, notre tempérament parfois est prêt à se réveiller quand tu sais que la personne qui est à côté de toi et parfois tient des propos injurieux et tu sais que tu es capable avec ta force de le mettre à terre, c'est très difficile de se contrôler. Et Jésus était un peu dans cette position-là, marchant avec des personnes inférieures, d'un autre niveau. Mais avec un tel niveau d'amour, d'humilité et d'obéissance au Père qu'il a pu supporter pendant tout son séjour sur terre de marcher avec ce genre de personnes-là. Et vous savez, quand vous avez cette relation que Jésus avait avec le Père, vous savez ce que Dieu est capable de faire, et vous êtes avec des Thomas qui doutent tout le temps, vous savez, vous êtes conscient de la capacité de Dieu, parfois c'est très compliqué. Mais Jésus a accepté d'abord ce cheminement-là. Donc la fête de Pâques, c'est la fête de quelqu'un qui a accepté de s'humilier, de passer par un moment compliqué sur la terre, et puis enfin de prendre sur lui le sacrifice suprême, la mort qui est passée avant ça par toutes sortes de souffrances, d'injures, souffrances morales, souffrances spirituelles. On nous parle même de l'angoisse qu'il a vécue. Et c'est très étonnant quand on sait et qu'on croit que Jésus est Dieu, on nous parle de cette angoisse qu'il a vécue avant d'aller à la croix. On nous dit qu'il se sentait tellement mal. Il y a quelque chose qui m'interpelle toujours dans cette angoisse, c'est que Jésus, qui était aussi Dieu, mais en même temps homme, fait appel à Pierre, Jacques et Jean. C'est-à-dire que dans cette angoisse, il avait besoin d'être entouré de ses frères, les hommes. C'est une des raisons pour lesquelles nous sommes ici, en famille, autour du nom de Jésus, dans ces lieux, parce que nous avons besoin de nous sentir entourés et réconfortés. Et je ne vais pas parler au nom de la famille, mais je suis sûr que dès qu'ils auront l'occasion de le faire, ils vous diront merci pour votre accompagnement ces derniers jours. Mais comme je l'entendais tout à l'heure, certains ont été auprès de Talia durant toute sa vie, et c'est très important, ce réconfort humain. Mais il y a un réconfort qui est au-dessus de tout, c'est celui du Seigneur. Et je voudrais que nous puissions regarder quelques instants dans ce texte, psaume 46. Oui, je disais, dans ce week-end de fête, c'est très difficile de pouvoir se tenir ici, alors que c'est censé être la fête, mais dans la tristesse d'avoir perdu une jeune fille, 18 ans à peine. Mais nous voulons trouver le réconfort, non seulement les uns avec les autres, mais surtout dans le Seigneur. Psaume chapitre 46, et j'ai intitulé ma petite exhortation « Dieu, notre refuge ». Au verset 2, c'est David. Ce n'est pas un psaume de David, plutôt. Au verset 1, on nous dit que c'est David qui a écrit la plupart des psaumes, mais ce psaume n'est pas un psaume de David, c'est un psaume des fils de Corée. Ce sont des personnes qui s'étaient mises à part pour spécialement consacrer leur vie à la louange du Seigneur. Et voici ce que dit ce psaume au verset 2, psaume 46.
Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancèlent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, s'écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Je n'ai pas beaucoup de choses à vous dire, chère famille, chers amis, à part que le Dieu dans lequel la famille de Talia croit, dans lequel nous croyons et qui nous donne le souffle de vie, est pour nous un refuge et un appui. Et je sais que le départ de Talia, c'est comme le dit ce psaume, comme des montagnes qui chancellent. Arnaud est en train de dire tout à l'heure qu'il n'a jamais connu quelqu'un d'aussi courageux. C'est comme une montagne. Oh, avec 18 ans, mais elle a traversé déjà pas mal de choses dans sa jeune vie. Et le départ de Talia, c'est comme une montagne qui chancelle. C'est comme des flots de la mer qui mugissent pour faire trembler des montagnes. Mais le Seigneur nous dit ce matin qu'il est pour nous un refuge, qu'il est pour nous un appui, qu'il est pour nous un secours. Voilà le message que j'aimerais bien vous donner ce matin. Le Dieu dans lequel Talia a cru, dans lequel nous croyons, est pour nous un refuge, un appui. Alors comment les choses vont se passer? Je n'en sais absolument rien. Le départ d'un proche, et surtout dans ces conditions-là, je pense à la famille Kivuvu qui vient de perdre déjà un membre de la famille. Je pense à maman Arlette et ses sœurs qui ont perdu un petit frère. Je pense à maman Christine qui vient de perdre à peine son fils et qui perd sa petite fille. Comment ça se passe? Je n'en sais absolument rien. Mais il y a une chose que je sais, c'est que Dieu est un refuge. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Je n'ai pas beaucoup d'explications à vous donner. C'est quelque chose d'étrange, mais c'est du vécu. Et ceux qui me connaissent savent que moi-même, ma famille, mon église, on est passé par des circonstances un peu similaires. Je dis un peu parce que chaque deuil est différent, chaque départ est différent, chaque vie est différente. Et je ne peux pas me tenir ici en donneur de leçons pour dire « oui, je suis passé par là ». Non, parce que Talia était unique. Et donc le départ de cette jeune fille, vécu par chaque membre de la famille qui est unique, est différent. Mais notre point d'attache, notre réconfort, notre espérance, c'est que Dieu est pour nous un refuge, amen, un secours. Oui, il y a des moments où ce sera difficile, des jours où ce sera compliqué, où vous n'aurez pas d'autre force que de pleurer encore et pleurer, parce que c'est un départ. Je ne suis pas du tout de ceux qui se contentent juste de dire ce qui est vrai, c'est que nous espérons dans la résurrection des morts. Mais je crois que nous sommes des êtres humains faits de chair et de sang, et le manque est une réalité. Il y a des jours où les pleurs reviendront, le souvenir, le manque. Mais dans ces moments-là, croyez-moi, et je vous défie, si vous mettez votre espérance en Dieu, de le vivre aussi. Dieu est pour nous un refuge. Dieu est pour nous un secours. Amen. Et je voudrais terminer avec un psaume que j'ai donné à notre église il y a 2 semaines. Nous sommes passés, je vous disais, par des moments difficiles. L'année 2021 était une année sur laquelle nous avons parlé de la restauration de notre dignité de fils de Dieu, de fille de Dieu. Quand tu as été courbé, mis à terre par la rudesse de la vie, perdre tel, perdre si. Parfois, tu marches la tête courbée. Et Dieu est venu rappeler à chaque membre de l'Église, et c'est ce message aussi que je vous apporte, qu'il est celui qui relève nos têtes quand nous mettons notre espérance en lui. Et nous avons, pendant toute une année, parlé de la restauration de notre dignité de fils de Dieu et de fille de Dieu. Et en 2022, le thème
c'était restaurés pour être des bâtisseurs de la maison de Dieu. Ça veut dire que si tu peux, dans ta vie, si tu ne fût-ce qu'un domaine ou une petite chose où tu as vu le clin d'œil de Dieu, quelque chose qui te montrait que Dieu était bon, et dans les quelques témoignages que j'ai pu entendre sur Talia, une star, une étoile, ça veut dire que ça fait nos yeux briller quand on pense à elle. Si tu peux penser ne fût-ce qu'à une petite chose qui te donne l'espoir, alors tu es quelqu'un qui a quelque part vécu, expérimenté un réconfort de Dieu, une restauration de Dieu. Alors Dieu te mandate, Dieu te donne le challenge d'être un bâtisseur de sa maison. Alors, il y a beaucoup de façons d'expliquer ce que ça veut dire être un bâtisseur de sa maison, mais une façon de le comprendre, c'est que notre vie doit avoir du sens et nous devons essayer dans notre entourage d'adonner, de faire en sorte que notre frère, notre ami, notre collègue, de l'aider à ce qu'il puisse faire en sorte que sa vie puisse avoir du sens. Et quand notre vie a du sens, nous concourons à bâtir la maison de Dieu parce que nous sommes tous créatures de Dieu et le Seigneur voudrait que nous puissions être des fils et des filles de Dieu. Et donc je disais, cette année-ci, c'est une année où nous voulons vraiment nous relever la tête et bâtir, faire des choses concrètes. Et parmi les choses que Dieu nous appelle à faire, c'est reconnaître ses bienfaits, proclamer ses bienfaits. Dans le psaume 103, cette fois-ci qui est de David, il dit ceci, et il exige, il donne un ordre à son âme, c'est-à-dire à son être intérieur. D'autres traductions parlent du cœur. Et quand la Bible parle du cœur, elle parle à la fois du siège des émotions, des sentiments. Elle parle à la fois du siège de ta décision, de ta volonté, mais elle parle aussi de ton intelligence, de ton intellect. Et donc, David exige à son âme et lui dit ceci, au verset 1er, psaume 103, « Mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme, je t'exige, je te commande de bénir l'Éternel, au verset 3, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Frères et sœurs, c'est très humain de s'arrêter sur ce qui ne va pas. C'est très humain de s'arrêter sur les peines. C'est très humain de s'arrêter sur les difficultés. Mais nous voulons, et je vous encourage, de mettre votre espérance en Dieu cette année-ci et de pouvoir trouver un moment pour bénir le Seigneur, l'Éternel, pour les bienfaits. Et alors, il cite quelques-uns des bienfaits que le Seigneur a fait. Et quand je pensais à ce texte, je dis, est-ce que je peux lire ça? Et il dit ceci, regardez le premier bienfait. Parce que c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Ça veut dire que personne d'entre nous n'est parfait. Mais Dieu ne nous regarde pas en ciblant nos imperfections. Dieu nous regarde par rapport à ce qu'il voit de nous, c'est-à-dire des personnes qui doivent s'améliorer petit à petit pour tendre vers sa perfection avec ses capacités. Et de cette manière-là, quand nous commettons des erreurs, quand nous commettons des iniquités, des péchés, il est celui qui pardonne. Et peut-être que ce matin, tu es ici, tu as quelque chose qui te fait de la peine. Tu t'en veux de quelque chose par rapport à ce que tu aurais pu faire pour Talia. Vous savez, c'est très compliqué par moments. Il y a certaines personnes, vous ne comprenez pas toujours leur tristesse. Mais si vous allez au fond de leur cœur, ils vont dire, j'avais la possibilité de faire ceci pour Talia. J'avais la possibilité d'agir pour ceci pour Talia. J'avais promis à Talia de faire ceci. Je ne vais pas être en mesure d'assumer cela. Et je me mets à la place des parents. Je leur disais cette semaine, je dis, je ne sais pas comment vous faites, moi. J'ai 3 enfants. Je ne sais pas comment je serais si je devais perdre un de mes enfants. Mais c'est Dieu qui restaure. Et dans ce texte, il dit, il pardonne mes iniquités, c'est-à-dire celui qui s'en veut de quelque chose qu'il aurait pu faire à Talia, le Seigneur dit, ce n'est pas grave, j'oublie ça, tu peux t'investir dans une autre personne, tu peux bâtir quelqu'un d'autre. Il dit, mon âme bénit l'Éternel, c'est lui qui guérit toutes mes maladies, toutes tes maladies. Alors c'est très contradictoire quand on voit une jeune fille qui était malade et qui est décédée, mais ça veut dire que ça nous appelle à penser un peu dans le passé. Et Satan tout à l'heure disait, elle est passée par des moments difficiles, elle a surmonté, c'est-à-dire que Dieu l'a aidée. Même arrivé à ses 18 ans, c'est Dieu qui l'a aidée à cheminer petit à petit jusqu'à ce que lui,
dans sa souveraine volonté, décide que c'est bon, elle a fait son temps. Alors oui, on peut se tourner vers Dieu pour lui dire, mais pourquoi maintenant? Ce sont des questions où on aura peut-être une réponse dans l'éternité. Mais cette parole dit, regardons dans le passé, ne regarde pas dans tes échecs actuels, ne regarde pas dans tes difficultés actuelles, regarde dans le passé et rappelle-toi de ce qu'il a pu faire, ne fût-ce qu'à un membre de ta famille, ne fût-ce qu'à un moment donné où tu étais faible. Alors à cause de cela, même si aujourd'hui ton corps est en train de souffrir, bénis l'Éternel parce que c'est lui qui guérit, qui te guérit de toutes tes maladies. Et il rajoute au verset 4, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Et ce matin, en terminant, je voudrais parler particulièrement à celui qui se sent comme dans une fosse. Pour certains, c'est le départ de Talia qui te fait sentir comme étant dans un trou. Tu dis comment je vais m'en sortir. Pour d'autres, ça n'a absolument rien à voir. Tu étais déjà dans cette fosse. C'est comme si cette épreuve vient vraiment confirmer que tu es vraiment au fond. Je dis que tu as aussi la possibilité de bénir l'Éternel parce qu'il y a un espoir, une espérance que lui saura te sortir, je ne sais pas comment, je ne sais pas à quel moment, de cette fosse. Alors je te conjure, je t'en supplie, je t'encourage à puiser espérance, à puiser espoir dans le Dieu auquel nous croyons. Psaume chapitre 46, verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Inclinons-nous de la prière. Seigneur, nos mots ne sont pas capables de faire grand-chose, sauf s'ils sont accompagnés par ta parole. Et c'est ta parole que je viens d'annoncer. Visite les cœurs brisés, visite les cœurs. Seigneur, merci parce que nous sommes ici tristes de ce départ, mais pleins d'espérance parce que tu es pour nous un refuge. Talia a trouvé en partant de cette terre un refuge qui est bien supérieur à celui que nous pouvons espérer sur la terre. Mais pour nous qui sommes là, et particulièrement la famille, les amis, les proches, Seigneur, tu es un véritable refuge. Et je sais que si nous laissions la parole à plusieurs personnes, beaucoup témoigneraient du refuge que tu as été pour eux, parfois même inconsciemment. Tu as intervenu dans certaines situations et certains d'entre nous n'étaient même pas conscients que c'est toi qui agissais. Oui, aujourd'hui, nous voulons te bénir parce que c'est ta parole qui nous réconforte. Merci d'être un refuge pour chaque membre de la famille, pour chaque personne qui passe par des moments difficiles et pour toutes celles qui sont concernés par la tristesse du départ de Talia. Nous te bénissons et nous voulons, Seigneur, commander à ce qui est en nous et à notre existence de te bénir parce qu'en toi, nous avons l'espoir d'être pardonnés de nos iniquités, de nos imperfections. Parce qu'en toi, nous avons l'espoir d'être guéris de nos maladies, même les maladies du cœur. Parce qu'en toi, tu es celui qui nous donne la force de sortir, la capacité de sortir de la fosse et des situations difficiles. Nous avons ainsi prié en ton nom, Jésus. Amen. Amen. Nous sommes presque arrivés à la fin de cette cérémonie, mais avant de terminer, nous allons encore chanter avec l'équipe de louanges un cantique et un panier circulera pour une offrande qui sera donnée à la famille de Talia. Et si vous connaissez ce chant, n'hésitez pas à chanter avec nous. Et voilà, je laisse la place à Papa Serge. Dieu est là. Quand survient la tempête, Dieu est là. Au fond de la détresse, Dieu est là. En toutes circonstances, Dieu est là. Seigneur,
siège. Et nous allons à présent regarder une vidéo. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'office. Nous allons procéder, je pense, pour la sortie, ce sera par de ce côté-là, au fond de d'un chant que la famille a demandé pour la sortie. Et alors, nous nous rendrons directement au cimetière de Makkelen. Je pense que chacun d'entre nous a reçu l'adresse. Voilà. Est-ce que je peux vous demander de vous tenir debout pour la prière finale ? Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel tourne un regard favorable sur ta vie et qu'il t'accorde, malgré ces moments difficiles, sa paix. Amen. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.